Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo. Dans celle-ci, je vais vous expliquer pourquoi il y a quelques jours j'ai fait une vidéo où je dis que j'écrivais un texte. En fin de compte, je ne l'écrivais pas, je le dictais. Effectivement, si vous êtes sur PC, alors sur Mac, je ne sais pas, il doit y certainement y avoir un outil du même genre, mais si vous êtes sur PC, vous n'avez pas besoin d'utiliser Dragon Speaking, qui est un logiciel qui est très très performant, mais qui coûte. Vous pouvez très bien utiliser l'outil qui vous est mis à disposition par Windows. Que vous soyez sur Windows 7, 8, 10, importe peu, il est sur votre ordinateur. Simplement, il n'est pas actif. Vous allez donc pouvoir l'activer. Vous allez dans la partie recherche sur Windows et vous faites reconnaissance. Vous voyez, reconnaissance vocale de Windows. Vous cliquez dessus. Alors, cela prend un petit temps avant d'apparaître. C'est tout à fait normal parce qu'il faut qu'il recherche et qu'il l'installe. Mais une fois que c'est fait, après, vous l'aurez à disposition. Le voici qui est apparu dans le haut de la fenêtre. Je laisse encore l'installation se terminer. Elle n'est pas tout à fait terminée. Voilà. Vous avez entendu le petit bruit, loubloum. Eh bien, cela veut dire que c'est actif. Et vous voyez que je peux cliquer sur cette partie. Et maintenant, je vais pouvoir dicter. Alors, il est vrai que... virgule. Alors, il est vrai que pour le moment, il n'est pas très performant, puisque j'ai la nouvelle version de Windows et qu'il n'a pas rapporté, il n'a pas ramené les informations que j'avais quand j'avais Windows 7. Je vais pouvoir insérer et vous voyez que ça a été pris en partie. Alors, et maintenant, je vais pouvoir dicter. Alors, il est vrai que pour le moment, il n'est pas très performant, puisque j'ai la nouvelle, là, je vais être obligé de reprendre, version de Windows et que... ce qui avait été enregistré avec Windows 7 n'a pas été pris en compte. Et j'insère. Et vous voyez que cela peut aller très vite. Alors je vais arrêter cette partie. Alors vous voyez qu'après il faut arrêter parce que là je vais annuler. On peut voir que eh bien, je peux très rapidement écrire mon texte. Bien évidemment, ensuite il va falloir le corriger. Mais vous imaginez le temps que vous allez pouvoir gagner. Et plus vous allez utiliser cet outil, et plus il va reconnaître votre voix, vos textes, vos expressions. Et il va ainsi garder en mémoire. Et il va devenir de plus en plus performant. Le plus fort dans cette histoire, c'est que ce que vous venez de voir, vous allez pouvoir l'utiliser si vous utilisez Camtasia 8. Vous pouvez récupérer cette information écrite d'avoir déjà le texte d'installer. Je tenais à faire cette petite vidéo parce que plusieurs d'entre vous m'ont posé la question qu'est-ce que j'entendais par dicter un texte? Vous avez compris comment vous pouvez procéder maintenant. À vous de jouer. Bonne journée.